Donc là, j'ai un jeu de cartes normal, ok. Donc je vais te montrer toutes les cartes. Elles sont toutes différentes. Le jeu est complet, vraiment. D'accord? C'est un jeu normal. Et la plupart des tours de magie ils se font avec les faces cachées comme ça et pas les faces visibles. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, on va choisir une carte face visible. Tu vas voir. Donc là, je coupe un petit peu. Comme ça. On va couper. Ok. Je vais même mélanger comme ça. Hop. Toutes les cartes. Ok. Et ce que tu vas faire, c'est que maintenant, on va choisir face visible une carte et tu vas voir comment ça se passe. Tu vas couper le jeu en deux où tu veux. Ok. Donc, tu prends cette partie-là que tu as coupée, là, avec toi dans les mains. Celle-là. Ok. Et tu vas faire comme moi. Donc, tu vas distribuer quelques cartes sur le tapis. Vas-y. Et quand tu veux, vas-y, continue. Tu t'arrêteras où tu veux et tu t'arrêteras sur une carte n'importe laquelle. Vas-y, c'est toi, ton choix est libre. Alors, ici, le 9 de trèfle. Ok, tu t'es arrêté sur le 9 de trèfle. On va le mettre de côté ici. On va regarder, on va poser ici. Donc, tu as choisi le 9 de trèfle. Et tu pourrais penser qu'il y aurait peut-être. Tu t'aurais influencé peut-être, ou alors peut-être que tu penserais qu'il y a plusieurs 9 de trèfle. Et pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres 9 de trèfle, on va vérifier ensemble si tu vois pas un autre 9 de trèfle, tu n'en as pas vu. Non. Ok, on va poser ici. Pareil, si tu me dis si tu vois un 9 de trèfle, Non. il n'y en a pas. Ok, on est d'accord. Ok. Pareil, tu regardes ici les cartes que j'avais en main et tu me dis si tu vois un 9 de trèfle. T'en Non. vois pas? Ok, là, ah, bah, il y a un 9 de pique, mais non. Tu me dis, hein, si tu vois, parce que peut-être qu'il y aurait plusieurs cartes. Ça voudrait dire que ton choix est vraiment libre. Il n'y en a pas d'autres. Non. Non. Ok, ton choix était vraiment libre. Tu as choisi le 9 de trèfle. Et je pense que c'est la carte qui t'a influencé. T'as pas senti que t'avais. Non, T'as pas rien senti, t'as spécialement. pas parlé, t'as rien senti. Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que t'as choisi la seule carte rouge. Et c'est marqué. Choisis-moi. C'est bizarre, non? Donc voilà, c'était ce petit tour très sympa de cartes. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour les explications. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Donc c'est un tour que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'aime infiniment. Je le fais énormément en ce moment. C'est un tour que j'adore faire. Donc vous allez voir, c'est très cool à faire. Donc vous présentez un jeu de cartes basique. Vous pouvez faire couper le jeu devant vos spectateurs de couper les jeux au milieu et de recouper cette partie-là ici et de compléter comme ceci. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire vous-même. D'accord. Vous pouvez montrer des cartes normales. Ok. Vous pouvez faire un roulement et montrer que toutes les cartes sont différentes. D'accord. On fait choisir beaucoup les cartes face cachée et là on va faire choisir les cartes face visible. D'accord? Donc, vous rassemblez le jeu, comme ceci, et vous dites au spectateur de couper le jeu en deux où il veut. Donc, il va couper le jeu en deux où il veut. Il va garder cette partie-là avec lui, et nous, on va prendre cette partie-là en main. Donc, vous lui dites de prendre le jeu en main, et de faire comme moi. Et vous dites, voilà, vous allez distribuer quelques cartes. Donc, il va distribuer en même temps que vous quelques cartes, ici. Et vous lui dites, vous allez continuer avec le nombre de cartes que vous voulez, vous allez vous arrêter sur n'importe quelle carte, d'accord? Et le spectateur fait pareil, et il va s'arrêter sur n'importe quelle carte. Imaginons qu'il s'arrête sur le 3 de trèfle. Alors vous pouvez faire, choisir soit le 3 de trèfle ou le 10 de pique, qui est ici, qui est posé au choix. Il n'y a pas de forçage. Le spectateur choisit le 3 de trèfle, ok, et vous lui dites, peut-être que je vous aurais influencé, ou peut-être que j'aurais triché, peut-être qu'il y aurait plusieurs 3 de trèfle dans le jeu. Et donc, pour vérifier ça, on va vérifier ensemble toutes les cartes. Et donc, vous montrez toutes les cartes comme ça, et vous lui dites, est-ce que vous voyez un 3 de trèfle? Il va vous dire non. Ok. Pareil, avec ces cartes-là, vous les montrez une à une, et vous lui demandez s'il voit un 3 de trèfle, il vous dira non. Ok. Donc, il n'y a pas de 3 de trèfle. Pareil, vous prenez vos cartes et vous lui demandez une à une, vous les passez une à une, et vous lui demandez s'il voit un 3 de trèfle. Vous le montrez comme ça, bien, carte par carte. Vous demandez s'il voit pareil un autre 3 de trèfle. Vous le montrez toutes une à une comme ceci. Vous le faites assez vite quand même. Il y a pas mal de cartes à montrer.
Là, il vous dit que non, il n'a pas vu d'autres trèfles. Et vous lui dites, est-ce que vous pensez que je vous ai influencé ou pas? Ou alors, je pense que c'est plutôt la carte que vous avez choisie qui vous a influencé. Et il va vous dire, non, c'est pas possible. Et je vous dis, si, 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 c'est bien cette carte-là que vous avez choisie qui vous a influencé. Pourquoi? Parce que c'est la seule carte rouge. Et c'est marqué, choisis-moi sur la carte. Donc, cette carte-là vous a bien influencé. Et donc, vous finissez le tour comme ça et vous montrez que c'est la seule carte rouge. Et derrière, il y a marqué, choisis-moi. Donc voilà, c'est un tour vraiment que j'aime faire beaucoup en ce moment. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve tout de suite pour l'explication. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour. J'espère que vous avez aimé ce petit tour de cartes. Moi j'aime beaucoup. Donc pour ce tour, vous avez besoin, vous prenez un jeu bleu normal complet. Okay. Vous allez enlever 13 cartes au choix et vous allez les remplacer par 13 cartes rouges qui correspondent aux cartes que vous avez enlevées. Ce qui fait que quand on montre toutes les faces visibles, on a un jeu complet. Toutes les cartes sont là. Vous allez prendre 13 cartes rouges et vous allez inscrire dessus, choisis-moi, sur les 13 cartes. Donc j'en ai pris 13 au hasard et j'ai marqué, choisis-moi, avec ce Sharpie. Je ne sais pas si vous connaissez ce Sharpie, mais il est super, il écrit super bien sur les cartes. Donc je vous conseille ce marqueur. Et donc vous faites ça, ok? Et vous allez placer vos 13 cartes rouges en dessous le jeu bleu. Et vous allez rajouter deux cartes bleues en dessous les rouges. OK? Donc vous avez votre montage de jeu comme ceci. Des bleus, 13 cartes rouges et deux cartes bleues. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc je vous conseille de commencer votre tour avec un étui bleu. De toute façon, les gens ne savent pas ce qui va se passer. Mais c'est toujours mieux de commencer avec un jeu. On montre un jeu bleu. Dans la tête des gens, ils voient un jeu bleu. Vous sortez des cartes, ok, et vous montrez un jeu. Alors vous pouvez montrer pas mal de cartes, ok, vous voyez, sauf à la fin. Donc moi ce que je fais, c'est que je montre quelques cartes comme ça. Je dis voilà, on a un jeu basique. On ne dit pas on a un jeu bleu, d'accord? On ne parle pas de la couleur du tout. Vous pouvez faire un ruban en disant on a toutes les cartes disponibles. Donc il y a vraiment les 52 cartes, d'accord? Et ce qu'on peut faire aussi, on peut mélanger un peu le jeu. Donc vous coupez à la moitié du jeu et vous coupez cette partie-là, d'accord? Donc toutes les cartes rouges sont là. Ce qui fait que vous avez librement le choix de couper ici où vous voulez, ici, et vous pouvez reposer comme ceci en disant on a mélangé les cartes. Vous pouvez faire une double coupe, une fausse double coupe aussi, sans montrer les cartes rouges. Vous voyez, on ne verra pas les cartes rouges. Et vous pouvez faire un mélange aussi, je vous conseille de faire ça aussi, quand vous montrez les cartes comme ceci, vous coupez à peu près au milieu, ou un peu moins, un peu plus que le milieu. Ce qui fait que vous pouvez retourner ce gros paquet-là. Toutes les cartes rouges sont ici. Ce qui fait qu'avec la main droite, vous avez un gros paquet de cartes et vous pouvez montrer toutes les faces bleues. Mais sans parler du bleu, bien sûr. Vous mélangez tout en parlant. D'accord? Vous pouvez le refaire plusieurs fois d'affilée. Et vous mélangez. On voit plusieurs dos bleus. Et là, à ce moment-là, vous dites, on a l'habitude de faire des tours de magie avec des faces cachées, vous remontrez les dos si vous voulez. Et là, ce qu'on va faire, on va choisir une carte face visible. Là, vous retournez le jeu et vous dites de couper où il veut au milieu du jeu, à peu près au milieu du paquet. Il va couper. Il va prendre la partie qui coupe ici. D'accord? Donc, il prend cette partie-là et moi, j'ai cette partie-là. Vous prenez le jeu en main, vous dites, voilà, vous allez prendre le jeu en main et vous allez distribuer quelques cartes. Vous en déposez deux. Forcément, ici, là, le jeu avec les rouges, comme ceci. Et donc, en disant ça, en distribuant deux, comme ça, il se retrouve après tout de suite qu'avec des cartes rouges, avec 13 cartes rouges. D'accord? Donc, il va falloir qu'il s'arrête dans les 13 cartes rouges. Et vous lui dites, tout en continuant, vous allez déposer quelques cartes, allez-y. Et vous allez vous arrêter où vous voulez. Vous vous arrêtez. Et lui, il va distribuer, il va s'arrêter où il veut. Donc attention, il doit distribuer dans les 13 cartes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, comme vous savez que c'est juste après les deux bleus là, quand il pose les cartes, vous pouvez compter dans votre tête combien il en pose. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginons il s'arrête là, très bien. Vous pouvez lui dire soit de mémoriser le 5 de carreau ou le 2 de cœur. Peu importe, puisqu'on sait que c'est deux rouges. D'accord? Je vous montrerai après s'il si dépasse ce que vous pouvez faire. Mais généralement, vous allez voir, les gens s'arrêtent avant les 13 cartes. Donc, il choisit par exemple le 2 de cœur, vous le mettez de côté, ici, et vous déposez les deux paquets, les deux jeux ici. Vous avez les vôtres ici et
le spectateur ici. Et vous allez prendre le paquet de droite ici, vous allez commencer par celui-ci, vous dites, vous pensez que j'ai mis peut-être plusieurs dos de cœur, que je vous ai influencé, on va vérifier ensemble si on ne voit pas le dos de cœur. Et vous prenez le paquet de droite et vous le montrez une à une. D'accord? Alors, attends, vous pouvez vite fait montrer les deux de gauche, vous savez que c'est deux bleus ici. D'accord? Là, c'est que des rouges. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est, je leur dis, est-ce que vous voyez le dos de cœur? Et arrivé au-delà, je retourne comme ça, je repose, je recouvre les autres cartes, je retourne. Okay. Et vous ne montrez pas les cartes comme ça, vous retournez et vous posez. Pareil, vous prenez le jeu ici, vous montrez toutes les cartes, vous lui demandez s'il ne voit pas d'autres deux de cœur. Vous pouvez montrer les trois ou quatre dernières. D'accord? Vous savez combien il en a posé de rouge? Donc par exemple, s'il en a posé 5 ici, ça c'est la sixième. Vous savez qu'il y en a encore 7 ici, ce sera les 7 ici, vous voyez? Donc vous pouvez montrer et compter 5, 6, 7. Et là, vous savez que, par exemple, vous n'avez que des bleus ici. Vous pouvez montrer comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ne montrez pas là, là il y aura des rouges. Vous êtes là et vous dites, est-ce que vous voyez vos cartes? Non. Ou alors ce que je fais, c'est je rassemble les cartes, je fais ça et j'en montre quelques-unes comme ça. Et je repose ici. Là, vous ne pouvez pas montrer les paquets en entier. Mais vous voyez comment on montre. Ça passe vraiment très bien. Là, à partir de là, vous montrez pareil, vous continuez avec vos cartes à vous. Là, il n'y a que des bleus. Donc vous êtes tranquille et vous dites, est-ce que vous voyez votre carte? Et vous les mettez une à une cette fois-ci en les retournant une à une. Ce qu'on n'a pas fait au tout début. Mais le spectateur ne s'en souviendra pas. Vous continuez une à une. Vous pouvez prendre par paquet pour que ça aille un peu plus vite. Et vous posez. Et vous n'attirez jamais l'attention sur la couleur des dos. D'accord? Et vous dites, est-ce que vous avez votre carte? Il va vous dire non. Donc il n'y a pas d'autre carte. Et vous dites, je pense que c'est la carte qui vous a influencé. Et donc vous faites tout votre baratin, tout ça. Et vous dites, je suis sûr que c'est la carte qui vous a influencé. Vous ne l'avez pas choisie par hasard. C'est elle qui vous a dit de la choisir. Vous la retournez et vous la montrez que c'est la seule carte à dos rouge. Et que derrière, c'est marqué, choisis-moi. Donc que se passe-t-il si jamais le spectateur, en distribuant les cartes sur laquelle il veut s'arrêter, il dépasse 13, vous allez voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours de compter le nombre de cartes qu'il dépose, si vous pouvez le faire en même temps. Donc on coupe, ok. Vous expliquez de s'arrêter quand il veut. Lui pareil, il le fait, ok. Et là, on sait que à partir de là, il y a 13 cartes rouges. D'accord? Jusque là. Tac, 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 tac. Donc il pose les deux ici et vous savez qu'après il y a 13 cartes rouges. Donc je vous conseille toujours de compter combien de cartes il pose. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là vous savez que c'est fini. Il continue. Et imaginons, il s'arrête ici. Il a dépassé les 13 cartes. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, vous reprenez le jeu et vous... En fin de compte, vous bloquez les deux cartes bleues ici derrière vous, comme ça, et vous faites un éventail comme ça. Et vous bloquez les deux cartes bleues aussi. En fin de compte, vous bloquez en une carte les cartes bleues que vous avez en trop, et vous laissez apparaître que les cartes rouges. Vous voyez là, j'ai que les cartes rouges. Et là, à ce moment-là, vous lui dites, choisissez une carte, n'importe laquelle. D'accord? Donc, il prend une carte, et donc, il prendra forcément une carte ici, les rouges. D'accord? Si vous cachez les bleus derrière, et celle-là qui est ici, vous la mettez en une carte comme ça, et vous la mettez bien ici à gauche. Ce qui fait que le spectateur a des grandes chances de prendre des cartes ici. Donc il en choisit une ici, et vous la posez ici. Hop, et vous êtes prêt à faire le tour comme d'habitude. D'accord? Donc vous la posez de côté, vous la faites choisir dans l'éventail si jamais il dépasse. Et je vous rassure, la plupart du temps, ça n'arrivera jamais. Donc si ça arrive, vous savez comment faire. C'est une bonne alternative, je pense, aussi de la faire choisir comme ceci. Et vous finissez le tour comme ça. Et je vous promets que l'effet, il est très fort. Donc voilà, vous récupérez le jeu comme ceci, vous rassemblez et vous êtes prêt à ranger le jeu dans l'étui. Vous finissez vos tours comme ceci. Vous avez déjà montré les cartes, vous n'avez pas besoin de les montrer à nouveau. Et vous finissez votre jeu et vous pouvez laisser la carte en souvenir au spectateur si vous avez envie. Donc voilà, c'est un très bon tour de carte que je vais faire souvent, je pense.
Donc, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.